Petit débrief de la séance ainsi que la petite présentation du gros. Donc voilà, je vais découvrir l'obstacle. Donc c'était une bonne séance, mais voilà, il m'a embarqué trois fois. Il m'a embarqué trois fois, donc je précise que c'est un cheval qui n'a été monté que par un professionnel jusqu'à maintenant. Donc forcément, il a l'habitude d'être monté par la même personne. Il a des codes avec cette même personne. C'est quand même un cheval qui a du sang. Et du coup, forcément, dès qu'on place quelque chose qu'il aime pas trop, et ben ça lui plaît pas, donc monsieur embarque. Du coup, la semaine prochaine, Serge voulait me faire sortir avec lui. Mais après cette séance, je me suis dit que c'était pas raisonnable de sortir pour qu'on se fasse peur tous les deux ou qu'on se blesse, parce que ça peut vite être dangereux de partir sur un tour avec un cheval qui embarque. Comme Asman, c'est un vrai pot de colle. Du coup, voilà, je me suis dit que c'était vraiment pas raisonnable de partir faire un concours alors que voilà, on n'est pas du tout encore totalement en harmonie et ce serait vraiment trop dangereux. Et on se ferait pas plaisir puisqu'on serait sans arrêt en combat. Donc, malgré tout, il a un petit coup de saut que j'aime beaucoup. Et par rapport à lundi, il était beaucoup mieux au niveau du plat. Voilà, je l'avais beaucoup plus facilement sur la main, etc. Mais il a un très très gros défaut, je suis désolée si vous entendez les voitures. Mais son gros défaut, c'est que dès qu'on l'a sur la main, en fait, il s'appuie énormément sur le mors. Du coup, pour le relever avant les sauts, etc., c'est vraiment pas pratique. Je voulais vraiment vous faire la présentation de Bloody en même temps que cette vidéo. Mais en fait, je le trouve pas sur la FFE et je connais pas tant de choses que ça sur lui. Je pourrais ni vous dire ses parents, ni son nom entier, etc. Du coup, je préfère attendre d'avoir plus d'infos sur lui pour vous le présenter.